Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de comment on fait un bateau, donc de deux bateaux en particulier, donc de deux époques différentes. Il y en a un que je construis actuellement sur ma chaîne, il y en a un que j'ai construit aussi précédemment, qui est donc le gros bateau, le gros voilier, qui est donc le Soleil Royal de chez la collection, donc de chez Altaïa, pardon. Et donc voilà, il y a beaucoup de c'est très costaud. Il faut prendre du temps. Donc je vais vous expliquer un peu les différentes étapes, donc qu'est-ce qu'il y a, etc. Les fascicules, donc comment est-ce qu'ils se composent au fur et à mesure du temps. Donc là je vais parler, donc c'est bien parce que d'un côté on a donc la partie au début de la coque, etc. Donc du yacht, Imperial Standard, qui se situe juste ici, hein, comme on peut voir, juste derrière. On a ensuite derrière, donc là, produit pratiquement fini, on va dire, du Soleil Royal. Pourquoi j'ai pratiquement fini? Parce qu'il reste encore un petit peu de travail. Un petit peu, hein, j'ai juste un petit, mais c'est beaucoup. Parce que ça nécessite énormément de concentration, énormément de boulot, de temps. Sachant que nous, quand on l'a fait, je l'ai fait ça avec mon père, et c'est mon père qui l'a fait en grosse majorité. Moi je l'ai aidé à faire différents escaliers, différentes chaloupes, etc. Une chaloupe. Je l'ai aussi à faire le cordage. Et puis voilà. Je vais vous expliquer un peu donc différent tout ce qui est au niveau de l'ensemble. Donc on va commencer au fur et à mesure du temps. Donc qu'est-ce qu'il faut au niveau du pliage, bien sûr. Et c'est beaucoup plus complexe que de la visserie, comme on peut voir aussi sur ma chaîne. Donc là, bien sûr, comme on peut voir ici juste en haut, donc le 1029 où je le stocke actuellement. Le Mountain, que j'ai juste de continuer à monter. Le Bismarck aussi, que l'on voit pas trop au fond, légèrement, avec la pointe de la coque qui est juste au bout. Mais voilà. Voilà, donc c'est totalement différent, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'ajustements. Ça nécessite énormément de patience. Et bon, c'est la patience, ça se travaille un peu au fur et à mesure du temps. Dès qu'on en a marre, on laisse un peu tomber pour l'instant. C'est ce que je fais un peu pour de temps à autre pour le Yacht Imperial Standard. Je laisse tomber, je laisse passer, et après je continue dessus. Et franchement, c'est un gros plaisir de le voir, vrai plaisir de le voir avancer, grossir au fur et à mesure du temps. Mais comme je vous le dis, donc c'est vraiment bien de prendre vraiment des pauses de temps à autre. D'essayer de peut-être une semaine ou deux, et après hop, on reprend, ou voilà, quand on a envie pour le reprendre. C'est ça qui est très important, et c'est vraiment le temps et la concentration et de la nécessité au niveau de l'effort à mettre dedans qui va donner donc une très belle bête comme celle-ci, une majestueuse bête, donc du Soleil Royal. Là je vais vous parler pour la vidéo, donc pour tous ceux qui veulent faire des maquettes en bois. Moi je suis un peu débutant dans ce domaine, hein, bien sûr. J'en apprends pratiquement tous les jours, même si bon, la plupart de ce que j'ai fait actuellement sur ce bateau là, c'est certaines peintures, j'en ai que je connaissais pas, donc j'ai dû apprendre un peu sur le tas. J'ai dû nous renseigner. Mais bon, là on va partir un peu sur le côté de la coque. J'ai déjà fait ça une fois. Et donc ce que j'ai fait aussi sur ce bateau-là, bien sûr, avec mon père. Et donc voilà l'avancement où on en est actuellement. De ce que je voulais vous dire. Donc bah, du coup, on va commencer déjà au niveau des différentes étapes. Je vais vous montrer donc quelques photos que j'ai prises donc, lors du commencement donc, et de l'avancement de ce fameux bateau. Comme ça, vous pouvez voir un peu quelques détails en fonction. Etc. etc. Bon, ben, on va commencer déjà donc à la présentation donc des pièces des fascicules, donc déjà un peu pour voir l'avancement. Donc il faut savoir que déjà dans un bateau, il s'articule en plusieurs phases. Allez, on va dire en 5 phases majoritairement. Si bien sûr si c'est encore un voilier, ou bien sûr comme le Bismarck, le Titanic, qui est plutôt donc un bateau de croisière, donc qui est totalement différent donc du galion qui est derrière moi. Et donc il y aura beaucoup moins de blanc. Donc ce que je peux vous dire à ce niveau là, donc déjà dans un premier temps, on va déjà commencer donc comme vous avez pu le voir aussi donc sur mes différentes vidéos, donc par la coque. Et la coque, il faut nécessairement avoir donc
une seule à boire, qui est très nécessaire. C'est celle-là que j'utilise principalement tout le temps. J'ai tout le temps utilisé celle-là, elle est très très bien. Et donc il faut avoir laissé le temps au niveau du collage, etc. C'est ça qui est vachement important pour pouvoir donc laisser sécher, continuer derrière, laisser sécher, etc. Pour avoir une bonne continuité, une bonne solidification au niveau du bateau. Parce que si on fait ça trop vite, eh ben tout plante derrière. Donc la marque que j'utilise, donc ça, on peut retrouver ça donc facilement donc dans les magasins de bricolage, bien sûr. Et donc c'est la marque donc Sader, donc colle, bois, prise rapide, etc. Donc voilà, je vous montre un peu comme ça vite fait. Tac, voilà la référence. Comme ça, vous pouvez essayer de la voir. Donc ça, c'est quelque chose d'important à voir au tout début. Avec bien sûr, il faut s'équiper donc aussi d'un pinceau. Parce qu'au départ, donc, pour faire plus de bateau à ce niveau-là, j'avais utilisé donc un stick. Là, j'ai totalement changé, donc un petit bâton, hein, bien sûr, n'importe quoi. Et on a fait ça au bâton. Malheureusement, j'ai appris un peu en regardant différentes vidéos, etc. Parce que quand j'ai repris ce bateau-là, il y avait malheureusement pas de vidéos, donc ou peu de personnes qui construisaient. Il y avait les Allemands, mais malheureusement l'allemand, c'est pas ma langue, donc faut pas trop comprendre. Si mes souvenirs sont bons, c'était Dev Model, hein, je m'en souviens un peu, une Dev Mod, un truc comme ça. C'est lui qui avait fait, donc il fait aussi les deux bateaux que je fais actuellement. Qui lui, donc j'ai plus trop de vue de niveau, je pense arriver à peu près à là où il s'en est arrêté. J'ai pas trop vu la suite au niveau du. Dites-moi si vous retrouvez d'autres vidéos du yacht. Mais pour moi, il s'était arrêté à ce niveau-là. Et moi derrière, donc ça va être la pure découverte parce que il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Bref, je dévie un peu, je vais revenir un peu à mes moutons. Donc pour la première étape, donc au niveau donc de toute la coque et de la quille avec les membrures. Donc les membrures, hein, bien sûr. Si vous ne savez pas, c'est tout ça. C'est ça, 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 ça. Tout ça avec la quille en dessous, la proue et la poupe. Et puis voilà. Donc ça, on a vraiment nécessaire donc d'avoir une colle. C'est vraiment important. Donc une colle à bois, comme je vous l'ai dit, la Sader. Alors des fois, ils vous donnent un petit flacon que j'ai eu. Je vais vous le donner, vous comprenez. Donc c'est une colle à bois qu'ils donnent, mais qui a un petit pot comme ça. C'est vraiment, ça dure même pas un fascicule, deux fascicules, mais ça sert strictement à rien. Je pense que j'ai jamais testé, mais je pense pas que ça doit coller. Donc c'est pour ça que je préfère avoir une colle blanche, une colle transparente. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille directement donc la Sader, qui est très importante. Vous aurez aussi besoin donc pour faire donc je vais découler. Hop là. Alors tac et tac. Là on peut voir à peu près une surépaisseur à ce niveau-là. Donc là, c'est deux plaques qui permettent de relier donc deux membres pour voir vraiment la jonction à ce niveau-là. Alors là, il faut vraiment que à ce niveau-là, ça soit vraiment parfaitement droit. Et donc, on a besoin de... Je vais essayer de le sortir. J'arrive vers vous. Alors voilà, on a besoin de différentes pinces. Des pinces comme celle-ci, hein, tac, en plastique. Ils sont très résistants, c'est très utile. Et donc, qui permettent de faire donc l'amélioration un peu à ce niveau-là. Et coller donc les différentes plaques entre elles et donc pour continuer la quille. Vous avez pu voir un peu ça donc dans mon premier numéro, on va dire, donc mon premier live que j'ai fait, donc parce que ça j'avais fait ça en live à l'époque, donc de mon avancée donc du Yacht Imperial Standard. J'ai un peu enchaîné parce que ça, c'est pour moi, ça allait facilement, ça s'est rentré facilement. Alors si ça rentre très très facilement, enfin faut vraiment forcer. Alors il faut des fois il faut un peu donc passer un coup de lime de verre dessus. Mais sinon ça passe, si ça passe nickel et qu'on a du mal à sortir, des fois ça sert à rien de coller. J'ai collé quelques pièces, vraiment, on va dire 50% de la coque, je l'ai collé. Au niveau des membrures, mais sinon il faut coller quoi. Il faut coller, il faut avoir une équerre, pour voir vraiment si c'est droit aussi, c'est important. Et puis voilà. Donc vraiment la quille, on va dire, la coque. Quand on fait la coque et donc au niveau des membrures, c'est quelque chose de très important, très très important. Donc ensuite, donc il y a bien le plancher. Donc là aussi, c'est très important. Donc ça dépendra aussi donc de différentes façons. Je vais vous montrer donc en même temps aussi, je vais faire tourner des photos de des montages, bien sûr, de ce que je vous parle. Je vais être un peu parlant.
Quand je vous dis donc au niveau des lattes, etc., donc c'est au niveau donc du plancher qui a aussi là-dessus et aussi là-dessus, là ici. Donc là, j'ai utilisé deux techniques différentes. Alors ici, sur celui-là, j'ai peint directement donc le socle en noir. Alors à mon avis, si je pense qu'il y avait de l'éclairage, à mon avis, sur le Titanic, et s'il y a de l'éclairage sur le Titanic, ils vont vous demander donc déjà aussi de peindre, peut-être, hein, je le dis bien peut-être, en noir, donc la surface extérieure, et en blanc, la surface intérieure, donc qui va permettre de réfléchir la lumière à l'intérieur. J'aurai de la lumière aussi dans mon bateau. Voilà. Voilà. Pardon. J'aurai de la lumière. Donc c'est pour ça que j'ai du noir donc en dessus, en dessous. C'est pour ça que j'avais utilisé beaucoup de noir. Vous avez pu voir un peu dans mes accélérés que j'ai fait. Ensuite, donc après avoir fait le plancher, etc., on va passer donc maintenant au niveau de l'habillage extérieur de la coque, bien sûr, pour reposer au niveau des membrures. Donc oui, alors avant d'avancer, je reviens vraiment 30 secondes pour vous dire que si vous avez besoin donc au niveau donc des différentes lattes, vous aurez aussi besoin donc d'un cutter. Donc moi j'utilise celui-là, le cutter de maquettiste, que j'ai acheté, je sais plus, 10-15 € sur internet. Donc tout ce qui est aussi au niveau des pinces, j'ai fait 5 € de la pince. Donc c'est pas tellement cher, franchement. Voilà, tout ce qui était au niveau des pinces. Et donc aussi donc de la coque. Bien sûr, tout collé avec le colle à bois, bien sûr. Ensuite, on continue donc avec la suite, qui souvent se continue donc avec les bords. Donc comme on appelle donc aussi des hublots, parce qu'il n'y aura que des hublots de votre côté, qui vont se regrouper. Donc là, c'est ce qui est très très bien à avoir de votre côté. Hop là, je vais montrer ça. Voilà. Hop là, voilà. Sur le côté comme ça. Alors si on se rapproche vraiment, parce que là on va pas vraiment voir, on voit vraiment la jonction au niveau des planches, comment elles sont faites. Alors là, j'ai plusieurs choses à vous dire aussi. J'ai eu deux expériences. Donc là où il n'y avait pas du tout de support, donc je parle bien sûr donc du soleil royal, où il n'y avait pas du tout de support pour pouvoir le monter, donc on a dû en créer un nous-mêmes. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une planche. Et ça, c'est ce que j'ai eu donc dans mes différents numéros et ce que j'ai pu monter. Donc voilà le support de montage donc pour le Yacht Imperial Standard. Donc ça, soit ça peut être donné donc dans les différents numéros donc de chez Eagle Moss, ou soit donc à vous de le créer pour vraiment faciliter au niveau du montage. Et c'est vraiment plus simple. Franchement, je vous dis clairement, c'est vraiment beaucoup plus simple donc de clouter comme ça, au lieu d'avoir un truc qui doit le branler dans le manche dans tous les sens. Parce qu'après, il faut être à deux et donc c'est compliqué. Surtout que si vous êtes tout seul à le monter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un support. C'est vraiment important à ce niveau-là. Ensuite, donc là, c'est à peu près là où j'en suis actuellement. Au niveau du cloutage de la coque, il y a donc, comme je vous disais, au niveau des panneaux, donc des hublots. Là, donc, il y aura besoin de clous. Et donc les clous, ils sont aussi fournis avec. Et quand qui dit des clous, il faut aussi avec, bien sûr. Donc bien sûr, tout en ponçant, hein, bien sûr, je limite la casse. Il faut bien sûr tout le temps poncer pour vraiment époser parfaitement au niveau de la coque à l'intérieur. Et surtout voir si à l'intérieur de la jonction entre le bord, ici là, et donc entre le plancher et le hublot, il n'y a pas un jour. Parce que si il y a un jour, c'est de loin, on verra rien. Faut vraiment limiter un peu la casse à ce niveau-là et vraiment arrondir les angles au maximum. Après, faites comme vous voulez, hein, c'est juste des conseils, tout ce que je peux vous dire. Ensuite, donc je reviens au niveau des clous. Donc là, les clous, c'est si par exemple au niveau donc d'une surface, donc si votre plaque de hublot, on va dire comme ça, il place pas directement donc entièrement donc sur une latte tout seul. Donc là, il faudra juste mettre des clous. Alors avant tout ça, il faudra d'abord comment dire ça, prévisser, pré-percer, alors avec des mandrins. Donc là par exemple, là j'ai plus de gros, hein, mais bon ça c'est parce que je faisais autre chose tout à l'heure, c'est pour ça. Et donc avec un mandrin comme ceci, hein, donc un mandrin à main, une perceuse à main. Hop là,
Avec donc un avec différents kits, si vous voulez, de pouvoir monter tout ça. Avec bien sûr des forêts à bois. De forêt à métal, il faut en trouver aussi. Et bon, c'est que du bois, donc normalement ça devrait le faire, il n'y aurait que des forêts à bois. Et les forêts, et tout ça coûte environ une trentaine d'euros. Donc au niveau des coûts, après avoir fait le trou directement dedans, donc bien sûr il faut pas aller en profondeur comme vous le disiez au début dans la vidéo, en profondeur dans la membrure, il faut vraiment percer légèrement. Et ensuite on enfonce donc avec un pin pusher, qui est donc une clouteuse, aussi en français, qui sont ça. Donc ça a été offert donc par moi, par Altaya. C'est ça qui était très très pratique et qui m'est toujours utile actuellement. Sinon, on peut en trouver sur internet aussi. Donc des pin pushers ou des clouteuses manuelles. Donc voilà. Donc avec des clous, vous verrez, ça va être des clous dorés normalement, comme j'ai actuellement. Ça là-dessus, ça va changer. Et donc bien sûr, si vous êtes pile poil sur une membrure, directement dedans, vous visez directement droit dedans. Par contre, si vous êtes à la limite et en jonction de deux lattes comme ça de bois qui se retrouvent sur une même membrure, il faudra vraiment incliner les trous. Incliner les trous, voilà. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Et bien sûr, aussi, j'ai oublié de dire, n'oubliez pas la colle. C'est aussi toujours important, toujours coller. Et coller bien sûr au niveau de la membrure et aussi sur la plaque de bois donc du hublot où les membrures elles passent et aussi donc en haut où là il y a tous les points de contact au final, tous les points de contact donc du bois et donc limiter les jours au maximum tout en serrant au maximum pour limiter la casse. De toute façon, je vais vous dire, vous serez obligé de mettre du plâtre, malheureusement c'est comme ça. J'ai eu aussi affaire à mettre du plâtre aussi donc sur le soleil royal, donc malheureusement j'ai dû en mettre pour combler les trous, etc. De toute façon, je vais vous montrer un peu quelques photos de après la coque, qu'est-ce que ça en est devenu ensuite pour en arriver ici et pour le soleil royal. Donc voilà. Donc là, j'ai fini avec le Yacht Imperial Standard. Tout ce que je pouvais vous dire aussi, entre-temps, tout au long de la collection, vous allez recevoir beaucoup de pièces en métal qui n'ont rien à voir, que vous assemblerez un peu au fur et à mesure du temps. Vous avez peut-être pu voir un peu sur ma chaîne YouTube qu'il y en a certaines pièces qui ont pu arriver, par exemple pour les écoutilles, que j'ai dû monter à part. Donc celles-là aussi, elles sont collées à bois, avec aussi donc des serre-joints. Donc des serre-joints aussi, j'utilise aussi des serre-joints pour faire la mise en place au niveau donc des lattes. C'est voilà. Il y a deux types de serre-joints. Il y a des serre-joints donc de maçon, on va dire entre guillemets. Des gros serre-joints comme ça en métal. Ou aussi j'ai vu très récemment donc sur la chaîne une chaîne allemande. Où ils utilisent donc des. Où la personne elle utilise des. Comment dire ça? Ben aussi des serre-joints. Et si vous voulez, qui sont en plastique et qui pompent dessus et donc ça rapproche plus facilement. Enfin, moi, personnellement, d'après ce que j'ai vu, il a l'air beaucoup plus simple d'utilisation. Parce que celui-là, il est vraiment. Il est facile aussi d'utilisation. Hein. De toute façon, si vous avez déjà bricolé ou quoi que ce soit, c'est très simple d'utilisation. Hein. Donc il y a juste à tourner ceci, etc. Et à ajuster en fonction. Et ensuite, on serre dessus. Voilà. Donc ça c'était à l'époque, c'était en franc. Ça, mon père. Tout ce que je pouvais vous dire. Donc ensuite avoir fini la coque, donc on va passer donc au niveau de la planche. Donc là je vais vous montrer quelques photos qui vont suivre par la suite sur le Yacht Imperial Standard, comme ça vous l'aurez un peu à l'avance de ce que ça va me donner. Parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore monté. Parce que ça va me prendre un certain temps. Hop là, on continue. Donc après on va commencer donc bien sûr à assembler tout ce qui est au niveau pour préparer l'accastillage au niveau du bateau. Des étages aussi donc sur le pour moi pour là je peux pas tellement vous dire au niveau des informations donc sur le Titanic parce que j'en ai jamais fait pour l'instant et juste je sais que c'est à peu près ressemblant au niveau de la coque. Alors là vous inquiétez pas, c'est totalement ressemblant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après avoir mis les, si vous voulez aussi, je voulais revenir au niveau des lattes. Après avoir mis donc la première couche au niveau des lattes, vous devrez mettre aussi une deuxième couche
Donc il va recouvrir tout l'ensemble et qui va lisser entièrement donc les lattes et ça va être beaucoup plus beau. Donc sur la coque. Pareil, donc ici il y a au moins deux couches hein, deux couches de bois. Donc qui nous a donné une très belle forme au niveau du bateau. On aura pas tout en fonction des bateaux, je voulais vous annoncer que cela dépend aussi de la courbure du bateau par rapport aux planches, enfin aux petites planches, hein, donc des petites lamelles de bois. Bon, des lamelles qui font une par trois, enfin deux par trois ou un truc comme ça. Et là, c'est vraiment important de les tremper si la forme vous paraît, en faisant des essais bien sûr, de savoir si vraiment ça va pas casser ou pas, parce que le bois c'est très fragile. Donc c'est pas tellement souple, ça dépend du bois, bien sûr. Sans oublier toujours de percer les lattes, bien sûr. Les lattes de bois. Ensuite, donc là, on va passer un peu à ce niveau-là, là, au niveau donc des accastillages. On peut voir à ce niveau-là, ici et là. Le devant aussi qu'on peut commencer à faire. Les rambardes. Et puis voilà. Donc là, ça c'est la partie, on va dire, un peu cosmétique du bateau qui va permettre de faire de l'embellir. La partie arrière aussi, quand on a fini toute la coque. Enfin, ça dépend des bateaux, comme je vous le dis. Hein, mais je pense que pour moi, le Bismarck, ça va directement être comme donc le Yacht Imperial Standard, là où j'en suis actuellement. Donc, on va voir ensemble, hein, bien sûr, les différentes étapes. Mais voilà, donc tout ce qui est la partie dorure, etc., ou donc peinture, on fera tout ça à la fin, principalement, donc au niveau de la coque. Ensuite, je vais vous laisser 30 secondes. Je vais vous parler, donc on a ensuite au niveau des mâts, bien sûr. Là, il faudra faire la partie mâts. Et ensuite, donc, s'attaquer à l'accastillage, qui est très très long. Par exemple, pour le Soleil Royal. Mais par exemple, pour le Titanic. Et aussi, Clinique n'aura beaucoup moins que donc sur le team par la standard. Mais donc, il y aura aussi du cordage à mettre. Bien sûr. Et là, bien sûr, vous aurez des plans. Enfin, je suppose. Des plans de cordage. Donc là, je vais vous en chercher un si j'arrive à le trouver. Dire donc que quand on arrive au niveau des mâts, il faut mettre aussi toutes les poulies, etc., au niveau des mâts avant de s'attaquer vraiment à tout l'ensemble donc des cordages. Et au niveau, donc par exemple, pour le Soleil Royal, là, bien sûr, j'ai que celui-là comme grande expérience parce que c'est le seul que je l'ai fait entièrement avec mon père. Donc, alors, je ne sais pas du tout si vous verrez quelque chose. Si vous le rapprochez, hop là. Bon, on voit que dalle. On voit que dalle, on voit que dalle. On voit bien que c'est écrit Soleil Royal. Alors, attendez, c'est là. Voilà. Donc là, on a toute la nomenclature de toutes les pièces qu'il nous faut dessus. Et peut-être que je vous montrerai différemment, bien sûr, quand j'aurai retiré tout ça. Il y a beaucoup de cordage, etc. Donc là-dessus, il y a tout ça qui a été fait déjà. Et voilà. Voilà. Donc, au niveau de la longueur, je vais essayer de vous reculer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà à peu près la taille du plan que ça fait, hein, déjà à ce niveau-là. Je sais que vous verrez que là, je pense pas. Et voilà, donc là on a donc il y avait 3 mois bien sûr, comme sur le Titanic, je pense qu'il y aura 2 mâts, mais à mon avis ça va être différent, ça va être totalement différent. Il y aura pas de plan. Enfin deux plans, mais je suis pas sûr, hein, mais parce que je sais que je pense que j'aurai des plans, sûrement des plans donc sur le Yacht Imperial Standard. Enfin je pense, on verra. Après il faudra se creuser la tête pour trouver le truc. Hein. Et voilà, donc c'est beaucoup plus complexe bien sûr, donc au niveau de toutes ces parties-là. Et pour ma part, moi il manque encore, donc il manquait 2 plans à la fin. Donc qui sont bien sûr les plans de l'accastillage bien sûr, donc de tout ce qui est niveau cordage. Donc les cordages qui vont d'ici à là, de tout ça, mais aussi les cordages donc des haubans. Et au banc parce qu'ils sont très très importants. Là, vous pouvez pas voir, hein. Je peux pas envie de détacher. J'ai pas envie de détacher. Voilà. Mais
il n'y aura pas du tout le même système, etc., de fixation. Je n'ai pas envie de vous en parler parce que ça risque d'être compliqué et ça risque d'être très très long. Mais voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas tellement besoin de. Si. Alors au niveau du cordage, vous aurez peut-être besoin aussi donc, de la colle forte pour faire une sorte d'aiguille pour pouvoir rentrer, si vous voulez, dans les petits trous des poulies. Et je pense pas qu'il y aura des poulies donc, sur le technique pour moi. Je pense pas, non, je pense pas du tout. Enfin, on dit ça, je dis ça, je dis rien, mais je peux pas supposer, mais je pense pas qu'il y a pas de poulies. Peut-être que sur les cheminées, sûrement. Mais voilà. Voilà. Donc c'est normalement c'est beaucoup plus simple que ces bateaux-là. Tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc même si c'est un gros bateau, il y aura du métal. Alors là pour le métal, pour moi je pense qu'il y aura du métal au niveau donc des chaloupes. Alors pour l'instant je peux pas tellement vous dire au niveau des chaloupes parce que j'ai pas encore commencé au niveau de la peinture à ce niveau-là. Je connais pas tellement grand-chose. Bon voilà. Je vais des appels à métal, etc. Donc, voilà. Bon, je vais vous montrer un peu en détail déjà de tout ce que l'on a à ce niveau-là. Présentation des fascicules, etc. Et du yacht et donc du Soleil Royal. Pour voir un peu l'évolution, comment ça en est, donc directement dessus. Donc allez, hop, je Voici prends arrivé donc donc à une la petite fin photo. de cette présentation de comment construire un bateau, de vous expliquer les différentes étapes. Donc, je vais vous répéter un peu rapidement pour vous expliquer le fonctionnement, enfin, de façon fonctionnement et comment c'était fait. Je donne un peu quelques liens dedans. De mon côté, je vais essayer de vous trouver des liens qui vous permettent peut-être de vous acheter. Alors, peut-être que c'est les moins chers, peut-être les plus chers, je ne sais pas. Donc de tout ce qu'il y a à acheter déjà dans un premier temps. Il y a quand même pas mal de choses à acheter. Hein. Et donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette petite vidéo? Je vais voir déjà. Donc la première étape, c'est déjà la constitution de la quille avec les membrures. Avec donc de la colle à bois. Ensuite, on a vu donc la construction du plancher, donc avec les lattes dessus. Donc après à voir hein, par rapport au Titanic s'il y aura besoin de mettre du noir ou pas. Moi je préconise du noir mais bon après il faudra suivre du coup ce qu'ils font. Voilà. Ensuite la pose des hublots sur les côtés avec donc la pose aussi de la coque, enfin la coque, finalisation de la coque. Troisièmement donc on a la partie peinture. Donc la peinture, oui, même si ça vient à la fin, ça dépend de ce qu'il y a à peindre aussi dessus. Mais on commence un peu à peindre, etc. Pour commencer à voir un peu la forme au fur et à mesure du temps. Et aussi surtout, donc bien sûr si c'est un galion, vous allez commencer à vous attaquer à la partie donc balcon. Si c'est par exemple le Titanic, alors là je ne sais pas encore, je ne peux pas trop faire des plans sur la comète. Mais vous allez commencer à vous attaquer à donc déjà à la peinture. Mais je pense que la peinture c'est à la fin. Mais ouais, c'est dans ces environs-là de la peinture. Et après, on va s'attaquer aussi à la partie donc à monter en hauteur, donc à tout ce qui est la partie formation, on va dire, des différents équipements qu'il y a dessus. Ou donc poste de commandement, etc. Ensuite, pour finir, on aura toute la partie peinture et cordage. Donc voilà, pour finaliser tout l'ensemble et donc le mettre en beauté et récupérer toutes les petites pièces qu'on a récupérées au fur et à mesure de tous les numéros, de tous les numéros, le numéro 1 jusqu'au numéro 140. C'est un bateau qui se fait en 140, mais c'est généralement fait en 140 ou en 120 comme le yacht qu'on peut voir derrière. Et voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire donc, de ce côté-là. Et donc, alors, si cette vidéo de présentation vous a plu, même si bon, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dessus au niveau de la présentation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler dessus, je sais de quoi je parle. Donc, voilà. Voilà, surtout au niveau du papier vert, des limes, oui, ce qui sont importants, je n'en ai pas mis, mais voilà, c'est assez important aussi de mettre les limes et d'ajuster. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est un peu de patience, donc tout ce qui est au niveau du montage. Voilà. Donc, alors si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous en mettant la petite cloche hein, sur le côté, comme ça, pour ne pas oublier des petites vidéos de ce type-là, si cela vous plaît, au contraire.
Et donc, on va pouvoir continuer un peu sur la suite du coup, de nouvelles aventures. Du coup, sur le yacht, qui va bientôt reprendre de mon côté, que j'ai envie de reprendre. Un peu plus acheter du matos. Donc, voilà. Et donc, tout plein de vidéos qui vont arriver d'ici. Bon, allez, je vous dis du coup, à la prochaine et à toutes. Et surtout, bon vent, les amis.